Donc on est à Berlin pour 2 jours, un petit week-end pour découvrir la ville et on vous emmène avec nous. Hello! Coucou! Hey! Ça fait un temps qu'on n'a plus vlogué, alors on a fait un peu le tour de Berlin, du moins des principales places. On était au Friedrichstrasse et Alexanderplatz pour faire un peu de shopping. On a vu la tour de radio. On est allé voir tout ça un peu sur la place. Concrètement, on n'a rien visité, mais on a un peu allé se promener. Il fait super bon en plus, hein. C'est étonnant, moi je pensais pas. Berlin. Ouais. Non, il fait super bon. Et là, on est en train de retourner dans l'hôtel parce qu'on n'a toujours pas fait le check-in puisque les chambres n'étaient pas encore prêtes quand on est arrivé. Et ensuite, on va aller au Berlin. Comment ça s'appelle? Berlin Bunker. Ouais. Bonjour, monsieur le Ronchon. Hello tout le monde. Alors là, on est le 2e jour à Berlin. J'ai plus filmé hier parce qu'on a regardé. On était donc au Storyburg. Voilà, le Berlin Story Bunker. Et en fait, ça a duré 2 heures. On s'y attendait pas du tout, mais ça a duré 2 heures. C'était super intéressant. Si vous allez ici, il faut le faire. C'est vraiment très intéressant et c'est important. Ça fait partie de l'histoire. Et donc après, il était 18h30. On est allé manger au restaurant et on est rentré. On était super crevés, donc on s'est vite endormis. Et là, aujourd'hui, c'est le 2e jour. Au programme, ce sera visite du mur, le East Side Gallery et le Checkpoint Charlie. Le musée aussi du Checkpoint Charlie, ou non, c'est le Wall Museum aussi. On va aussi faire quelques magasins, enfin voilà, on vous emmène avec nous. Et je vous fais un rapide room tour de la chambre parce qu'elle est assez petite. Du coup, c'est vraiment le bazar en fait. Là, vous avez le lit, un petit espace bureau avec la télé, le frigo. Là, il y a une armoire en rangement. Et ensuite, on a tout de suite la salle de bain. Voilà, avec un lavabo et une douche plutôt grande quand même. Hein. Et voilà, à tout à l'heure, bonne journée. Alors là, ouais, c'est des vrais, c'est trop beau. Hein. On est où? On est au Café Fellows. Et on prend le petit déj. Alors mon chéri, t'as pris quoi toi? Un muffin à la pomme. Cappuccino. Cappuccino. Et moi j'attends mon acai bowl. Et la déco est trop mignonne. C'est une vraie tulipe. Juste la table, c'est comme ça. Et on est juste en face du Checkpoint Charlie en fait. Ça y est, mon acai bowl est arrivé. C'est trop beau, regardez-moi ça. Je pourrais manger ça tous les jours. C'est trop, trop beau. Moi aussi, c'est healthy. Ça a l'air trop bon en plus. Allez, bon app! Nous voici à East Side Gallery, donc la partie du mur du côté est. Celui-là il est trop beau. C'est mon préf.
on est au Brandenburg Tor. Allez, on va voir ça de plus près. Et à midi, on mange une salade. On mange diète. Entre ce matin, le acai bowl et là, la salade, ça fait diète. Et après, on va aller faire un tour au Forever 21. On était déjà à Jack and Jones et Vero Moda. Et ouais. Et en fait, ça se trouve où? Au Potsdamerplatz. Voilà. Au Mall of Berlin faire du shopping. Troisième et dernier jour à Berlin. Hier, on a surtout fait l'après-midi shopping encore par après. Donc, on a fait plusieurs magasins, plusieurs centres commerciaux, le Mall of Berlin, le Westhaus. Bref, c'était une sorte de galerie Lafayette allemande. Et j'étais aussi chez Urban Outfitters et j'ai craqué pour un sac et une robe trop jolie. Je vous montrerai ça en rentrant. Et on était aussi chez Brandy Melville, bon j'ai rien trouvé. Et le soir on a mangé un resto, je sais plus si on a filmé ou pas, mais c'était un resto typique allemand et vraiment super sympa. On a bien mangé de manière générale à Berlin, tu trouves pas? Ouais. C'était quand même bon, hein. Que ce soit le matin la acai bowl que j'avais pris ou à midi la salade bowl. Et là, le soir, c'était des sortes de quenelles de semoule. Et ce matin, on est allé chercher un souvenir de Berlin dans les boutiques à souvenirs. On s'est promené encore un peu et là, on a fait nos valises. Et on va partir. Ouais, c'est déjà terminé. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Hello tout le monde, ça fait quelques jours maintenant qu'on est rentré de Berlin et on a vraiment passé un super séjour. Ça nous a beaucoup plu, c'était voilà le temps d'un break, un week-end un peu à Berlin. Donc j'y ai consacré d'ailleurs un article de blog, je suis en train de travailler dessus, mais d'ici que cette vidéo sera en ligne, l'article sera également posté. Si ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il y a à faire à Berlin, les visites, le shopping, voilà les différentes choses. Je vous invite à aller voir mon article, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je voulais un peu vous montrer mes achats puisque j'en ai fait un petit peu, pas grand chose mais des gros coups de cœur, je vais vous montrer ça. On a tout d'abord ce joli sac de chez Urban Outfitters. C'est un petit peu un sac en rond comme ceci avec une lanière brune et... Est-ce que je vais y arriver à une main? Oui, ça c'est pour l'intérieur, on peut mettre des petites choses et tout. Je trouve ça trop pratique justement quand on est en voyage et qu'on a juste un petit porte-monnaie et un téléphone à emmener. Et ensuite, toujours chez Urban Outfitters, donc ce sac je l'ai payé 60€. Et toujours chez Urban Outfitters, comme je disais, cette jolie robe rose, bien sûr, fleurie. Et je la trouve trop canon, elle est tellement printanière là, j'ai tellement besoin de printemps, il y a le mois de mars qui arrive et il y en a marre de l'hiver.
Et celle-ci, je l'ai payée 55 euros. Elle est trop, trop jolie. Et franchement, j'ai essayé les deux ensemble. Et c'était vraiment trop, trop canon. Je vais vous montrer ça. Hop. Les deux combinés, ça allait quand même super bien. Coucou! Salut bébé! Salut mon cœur! Salut bébé! Ouais! Oh la belle! Et qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Ouais. Et donc c'est tout chez Urban Outfitters. Et j'ai également pris un parfum Viva la Juicy de Juicy Couture. Et j'adore ce parfum. Il sent trop trop bon. Il sent un peu comme le bonbon de Victor and Rolf. Si vous connaissez, puis ben, ce packaging, il est juste canon. Je vais vous montrer ça. Hop, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Une vraie œuvre d'art. Vraiment, c'est un objet de collection, ça c'est clair que je vais le garder, même si le parfum sera vide. Je le garderai. Donc voilà, c'est tout. C'est pas grand-chose, mais c'est largement suffisant. Et puis, c'est vraiment des petits coups de cœur que j'avais vraiment envie d'avoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente, ça a fait vraiment un break. Si jamais vous cherchez un hôtel, le Select Hotel, il est parfait, il est super bien emplacé, rapport qualité-prix incroyable. Et d'ailleurs, Berlin, c'est pas une ville qui est chère, donc n'hésitez pas à y aller en week-end. Voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et à très bientôt, ciao!